Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier, samedi 23 janvier. Du coup, case numéro 23 qui est juste là. Comme hier, vous avez vu qu'il fait nuit, du coup j'ai pas installé, j'ai rien fait. On va faire vraiment comme hier. Je suis désolée de faire des vidéos courtes, mais j'ai des journées en ce moment. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment je m'organise, mais j'arrive pas à avoir du temps pour moi. Donc écoutez... Voilà, entre le chien qui du coup n'est pas tatoué, pas pucé, donc on ne sait pas qui il est. Il a à peu près 2 ans, Shell, donc on va voir ce qu'on va en faire en fait. On va certainement appeler une association pour qu'il vienne le prendre. Parce que bon, moi c'est pas possible quoi, enfin... Non, entre le travail des enfants et tout, on n'est jamais à la maison. Puis non. Je suis pas chien, j'aime beaucoup les animaux, hein, vraiment. Ça me dérange pas de lui acheter un paquet de croquettes et tout ça, mais... Oh non, pitié pas ça quoi. Du coup voilà, je comprends et voilà, j'aime beaucoup les animaux, j'aime beaucoup les chiens, mais je suis plus chat déjà et c'est une responsabilité et là je ne me sens pas capable de prendre cette responsabilité, donc voilà, j'estime être raisonnable en ne gardant pas Shell. Je vous installe pour la case 23 et on y va. Ok, du coup c'est cette case qui est juste là. Je vais réussir à l'enlever, vous croyez? Ok. C'est bon. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, ou que vous allez passer une bonne journée, ou que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, pas d'anniversaire particulier. Si vous êtes du 24 janvier, comme une certaine personne que je connais, je vous en parlerai demain. N'hésitez pas à me le dire, et puis je vous souhaite un bon anniversaire. Et puis bah voilà, on va commencer tout de suite la case qui est pas une case orange, donc c'est cool. Alors évidemment il y a du l'orange mais pas que, donc ça change un peu, c'est bien. On va commencer avec le numéro, avec le 8. Ok, du coup c'est parti pour la case numéro 23. Du coup, oui c'est demain, voilà, si vous êtes du 24 n'hésitez pas à me le dire, comme ça demain ça sera votre anniversaire et je vais vous le souhaiter. Je vous parlerai demain de la personne que je connais. Et puis voilà, sinon écoutez, rien de particulier dans notre vie. Ce matin, ce matin à 6h30 j'étais debout. Du coup je suis allée voir Shell comment il allait, puisqu'il dort sur la terrasse, hein, il dort pas dans la maison. Il m'avait arrivé, il était fin fou, il était fin content. Et puis j'ai attendu 8h pour l'amener chez le vétérinaire le plus proche pour voir s'il avait une puce ou un tatouage, donc ce qu'il n'avait pas. Et j'ai galéré à le faire monter dans la voiture. Bon, après j'ai fini par y arriver quand même. Et puis on est parti, on est arrivé chez le vétérinaire, tout s'est bien passé, machin, je regalère à le remonter. On arrive à la maison, on redescend, il a vu la maison, il s'est mis à pleurer et à être fin content en fait, à faire la fête. Donc ça m'a fait mal au cœur, je dis oh le pauvre, il a cru que j'allais le laisser, et tout, ça m'a fait mal au cœur pour lui. Mais non, on peut pas le garder, on a des vies trop chargées. Si c'est pour qu'il soit tout seul à longueur de journée, la pauvre bête, c'est pas la peine. Du coup ça c'est bon, on va faire... C'est déjà bon pour les 8, bah dis donc, vous n'avez pas des masses. On va faire les hashtags. Ok. Je me suis mis une lumière, mais je vois pas plus que... Je vois pas plus que ce que je... Voilà, que ça. Donc on va essayer de la décaler pour qu'on voit quelque chose. Non, c'est pas... C'est pareil. Je vois pas plus que... qu'avant, donc bon. Non plus. Ça sert... Elle sert strictement à rien, cette lampe. Bon, écoutez, c'est pas grave. Elle fait trop de lumière pour moi, je ne peux pas en apprendre. Non mais de toute façon c'est pas à toi, c'est à moi celle-là, lumière. Du coup ouais, vous voyez pas grand chose mais je vous assure que moi non plus. Donc écoutez, comme ça, vous êtes dans le même cas que moi, c'est parfait. J'étais en train d'avancer en fait sur mon autre DP, sur celui avec les fleurs. Que je crois que je vous ai montré mais je sais plus en fait. À force de faire des vidéos tous les jours, je sais plus où j'en suis. Dites-moi en commentaire, mais je crois que je vous l'ai montré. Donc du coup j'étais en train de faire le bouquet là-haut et je me dis il faut vraiment que je fasse ma vidéo là parce qu'il est déjà 20h. Et j'ai rien fait de la journée. Mais enfin j'ai eu l'impression d'avoir rien fait. Après je suis tombée KO à 14h.
Puis bien d'une masse. J'ai mis une émission de fait entrer l'accusé comme d'habitude. Pourtant j'avais dit que j'arrêterais, mais bon. C'est pire qu'une drogue, ça. Hein. Et je suis tombée KO devant. Les enfants étaient dehors en train de jouer avec le chien. Et avec la voisine, ouais. Et du coup, je suis tombée KO, mais alors vraiment correctement. Et je me suis réveillée, il devait être 5h, je crois. Donc j'ai rien fait de ma journée, mon ménage n'a pas avancé d'un pouce. Enfin voilà. Puis demain, je vais encore râler. Ma machine à laver est de nouveau en panne. Ça fait 3 fois depuis le début de l'année, là. Mais en fait, c'est toujours la même panne. Mais vu qu'on n'a pas de fer à souder, mon mari, il répare comme il peut. Sauf que moi, là, à un moment donné, ça va me pomper l'air. En fait, mon mari n'aime pas emprunter des choses. Alors qu'on fait juste emprunter, quoi. À la rigueur, moi, je veux bien même donner la pièce après. Enfin, c'est vraiment pas le souci, quoi. Mais si c'est pour ouvrir le bide de la machine tous les week-ends, autant que je donne 1000 balles et que j'emprunte un fer à souder à un voisin, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va me gonfler. Hein. Je me connais. C'est vraiment pas une panne de ouf, en plus. Hein. C'est vraiment juste un fil à raccorder. Donc, ça commence à me courir, là. Donc je me connais, je vais finir par m'énerver, aller à Bricorama, puis soit acheter un fer à souder qui va ne servir qu'une fois, donc ça m'embêterait, soit aller toquer au port de tous les voisins pour leur demander s'ils n'ont pas un fer à souder, et leur donner ensuite 10 euros pour nous avoir prêté, mais là ça, je me connais, hein, ça va m'agacer. Donc du coup voilà, c'est ce que je fais, une machine et ça y est, elle lâche quoi, enfin c'est bon, ça va 5 minutes quoi. Donc non. Non. Elle me dit, oh, je regarderai ça en rentrant. Je dis, attends, tu vas rentrer à 22h, tu vas pas regarder ça à 22h, quoi. Enfin, c'est bon. Après, j'aurais dû, moi, cet après-midi, aller voir les voisins, puis leur demander à faire à souder, et je leur ai réparé moi-même, mais bon. Je vous ai dit, je suis tombée KO. Du coup, après, en même temps, je me suis couchée hier soir, il devait être 21h, je crois. Je me suis levée à 6h30. Et puis, ben, tombée KO, à 10h du matin, 10h30, j'avais faim, j'ai mangé, vous voyez, en fait, je suis complètement décalée. J'ai l'impression que plus ça va, plus je vais me coucher tôt et plus je me lève tôt, en fait. Enfin, plus je me décale dans mes jours. Même au boulot, hein, la fois, j'ai mangé, il était 10h du matin, j'ai dit, les filles, je prends 5 minutes. Je suis partie manger à 10h30, parce que j'avais la dalle. Et puis, j'ai pas pris de pause à midi, en fait, donc, j'étais bon, écoutez, hein. C'est pas plus mal. On va prendre les Y maintenant. Ok, ma petite couleur préférée. Abricot. C'est vraiment ça, c'est vraiment abricot. Hop. Ouais, donc du coup, ben voilà, écoutez, sinon rien de particulier. Encore bien mal au dos là, mais bon. Ça, je pense que c'est un problème de matelas, de toute façon, il va falloir qu'on pense à changer le matelas parce que ça va pas être possible là, à long terme. On est en train de se fracasser le dos. Et comme j'ai dit à mon mari, on a plus 20 ans, donc du coup, ben, maintenant, notre petit confort, on y tient. Parce que, ouais, forcément, mon mari, là, il a quand même... Il est plus proche des 50 ans que des 20 ans, hein, donc voilà, il est 74. Donc ouais, il a mal au dos aussi, puis ben, il bouge beaucoup hein, au boulot, il est tout le temps en train de marcher et tout, donc il repose pas trop son corps, et puis ben, quand, vu qu'il bouge, son corps, son dos est chaud, donc ça lui fait pas mal, mais alors dès qu'il s'arrête, ben, c'est même pas la peine, quoi. Puis, bon, le dos, c'est quand même la base. Hein. Quand on a mal au dos, franchement, on peut rien faire. Donc oui, on va aller voir ça, je pense. Et puis on va acheter aussi pour mon fils, parce que le matelas de mon fils, il est mort aussi. Donc on va voir ce que ça va donner. On va essayer d'aller à Conforama, je pense. Vu qu'on a un confo, on va aller voir si on trouve notre bonheur là-bas. Et puis c'est tout. J'ai eu mes parents en visio aujourd'hui. Ils m'expliquaient la situation de plus en plus catastrophique par rapport au Covid et tout. J'ai pas écouté. Je dis oui, puis je compatis et tout. Je vous avouerai que j'ai pas trop regardé les infos la semaine-ci parce que, ben, vu que je suis complètement décalée, je me couche tôt et puis le peu d'infos que j'ai, c'est par Facebook, donc je me méfie de ce qui se dit là-dessus, hein, parce que bon, la plupart du temps sur Facebook, il n'y a pas que des informations, des vraies infos, donc bon. Et je suis de loin, quoi, ce qui se passe, parce que... Ouais,
je regarde pas assez les infos. Hein. Mais bon. Elle me dit, bah, t'es au courant quand même qu'il y a une nouvelle variante? Je dis, oui, quand même. Je sais quand même qu'il y a une variante anglaise et une africaine, ça, je suis au courant. J'ai dit, après, moi, ce que je vois, c'est que la Chine a vacciné tout le monde et apparemment, tout le monde va bien en Chine. Donc, j'ai bon espoir que qu'un jour, dans quelques mois, on puisse être aussi... que la France puisse être aussi de nouveau correct, n'importe quoi. De nouveau zen par rapport à ça, en tout cas, je le souhaite. Ne serait-ce que pour les restaurateurs et tout, les pauvres. Enfin bref, tout ça pour dire, je suis tout cœur avec vous, malgré que, voilà, je me rends pas bien compte de la situation, vu que je la vis pas, forcément. Du coup, ensuite, on va aller faire quoi? Les 4. Allez, on fait les 4. C'est pas souvent qu'on fait les 4. Du coup, bah voilà, quoi. Ouais. C'est bien parce que cette carte là, pour le coup, il y a pas mal de couleurs qu'on a. Genre le R, le C. C'est cool, ça nous change. Ça nous change, c'est sympa. Donc il avance bien, mine de rien, notre petit DPI. Hein. Enfin, notre petit. C'est une façon de parler, évidemment. Forcément. Ok. Ouais. Je suis plutôt contente parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'aventure. Donc déjà, ça me fait super plaisir, évidemment, parce que si je fais des vidéos, c'est oui pour moi, mais c'est aussi pour qu'on partage tous ensemble. Et puis vous êtes super fidèles, en fait. Enfin, vous me marquez toujours des petits mots et tout. Enfin, moi, ça me fait super plaisir. Je vous jure, je me lève le matin, je vois que j'ai des petits messages sur YouTube et tout. Ça me fait trop plaisir. C'est mon petit plaisir du matin, ça. Me lever et voir, j'ai des petits commentaires, j'ai, ils sont trop gentils. Enfin, vraiment, c'est mon petit plaisir. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir quand je vois qu'il y a des petits mots et tout. Donc, ouais, merci à vous. Merci à vous. Après, je vous dis, vous allez apprendre à me connaître. Vous allez me découvrir sur plein de jours différents, c'est sûr, mais... ouais. Vous allez voir mon côté sensible, souvent, je pense. Et du coup, quand je vois des petits mots et tout sympa, ça me fait toujours plaisir. On va changer de couleur, du coup. Du coup, on va faire les A. Les filles, vous pouvez dire bonjour. Bonjour. Tonya, la jolie. Bonjour. J'ai mes deux... Eh, dis en vrai bonjour. Mes deux filles qui sont là, en train de se câliner. C'est un moment tellement rare que je dis, on va l'immortaliser. Ah non, je vais pas vous montrer, hein, parce que voilà, mais c'est tellement rare de les voir comme ça, là. À se câliner. Vous avez la même tête. Et en plus, on a la même peau, les mêmes yeux. La même peau, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. J'ai pris ma douche. J'ai pris ma douche, là, tu me pètes, là. Oh, c'est trop mignon, je vous jure. Faites des enfants. Le directeur de l'école où ils allaient avant... Parce que du coup, il était le directeur de l'école et maternelle et primaire. Il m'a rattrapé une fois, il me dit, vous avez oublié de casser le moule ou comment ça se passe? Il me dit, vous avez fait des triplés, mais avec quelques âges d'écart. J'ai dit, oui, il paraît que mes enfants se ressemblent. Je dis, moi non, je trouve pas, mais après, si, c'est vrai. Sincèrement, après, je dis, mais non, on n'a pas cassé le moule, parce que le premier était tellement bien réussi que du coup, on a décidé de faire avec le même moule pour les deux autres. Pourquoi faire... Pourquoi changer le moule quand le premier est bien réussi? Donc voilà. Donc non, c'était très drôle. Il me dit, non mais c'est impressionnant. Il dit, j'ai jamais vu ça. Ils se ressemblent vraiment trop, vos enfants. J'ai dit, bah oui, je sais. Je sais. Mais tant mieux, hein. Tant mieux. On va pas se renier comme ça. Du coup, pour le A, c'est tout bon. On va aller faire le... O. Ok. Du coup, on fait le O. Bah, en fait, la case, finalement, elle est aussi marron et orange, mais je trouve qu'il y a plus de marron que d'orange. Alors qu'à d'habitude, il y a plus d'orange que de marron. Donc,
Bon, après, c'est peut-être parce que j'ai fait l'autre d'épée avant et que j'étais dans les roses. J'étais dans les roses et les violets et les verts. Il est vraiment trop beau. Je sais pas si c'est les couleurs ou si c'est les diamants ou j'en sais rien, mais il est vraiment magnifique. Je suis amoureuse du DP et je suis amoureuse de la couleur 961 qu'il y a dedans. Elle est trop, trop belle. Vraiment canon. Ok. Tu laisses là pour l'instant, s'il te plaît, merci. De quoi je me mêle? Qui t'a demandé de ranger ma chambre? Personne! C'est bien ma puce, hein? Mais je préfère que tu ranges la tienne de chambre. Ok, pour les hauts, on va faire les pourcentages. Donc les pourcentages. Hop. J'ai pas, du coup, j'ai même pas fait la cage. La cage, n'importe quoi. La case 22 d'hier. Et par contre, du coup, comme vous pouvez le remarquer, la case du 22 février, elle est juste là. Juste à côté du 23 janvier. Donc c'est vraiment drôle comment l'assistant Google choisit les chiffres au hasard et que ça tombe toujours sur des cases où il y a déjà des trucs faits à côté quoi. Et vous vous rendez compte, il y a 360 cases et il arrive à me choisir des numéros qui font en sorte que ça touche quasiment toujours des cases. C'est quand même impressionnant. C'est ouf quand même. Et hier il m'avait carrément choisi la case qui était déjà prise, genre celle-là. Du coup, j'ai relancé pour que, j'ai relancé pour qu'il tombe là-dessus. Non, j'ai relancé pour que ça fasse sur cette ligne-là, mais c'est tombé sur le chiffre-là. Je me suis dit, bon, bah ok, ça marche. Mais ouais, c'est trop rigolo. Et puis, vous le savez, j'essaye de pas modifier. Donc, mais ça me coûte vraiment parce qu'il y a des fois, j'ai vraiment envie de changer le numéro qui est tombé, mais non. J'essaye de pas le faire. Et pour l'instant, je m'y tiens. Donc, pourvu que ça dure. On va faire maintenant les... Les 7, parce qu'il y en a pas mal. Ok, je vais finir par l'enlever la lampe, parce qu'elle vient juste de tomber toute seule, donc je vais l'enlever. Écoutez, ça sert à rien de la laisser là. Je finis juste les 7, et après je range de toute façon. Oui, du coup, écoutez, voilà, rien de particulier dans cette journée, comme je vous le disais. Rien de nouveau en Nouvelle-Calédonie, sauf que il fait encore mauvais. On bat des records de pluie. Il n'y a jamais autant plu en Nouvelle-Calédonie, donc écoutez, c'est parfait. Il nous fallait bien une année comme ça. Après, ce qui nous inquiète, c'est au niveau des cyclones, quoi, parce que quand ça va être la saison des cyclones, on va se taper un de ces cyclones, on va rien comprendre. Hein. Donc bon, ça nous inquiète un peu, mais bon, tant pis, on fera avec. Tum tum tum. C'est bon, on va faire les... J'hésite. On va faire les Z. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, là, j'ai pris les 9. J'avais dit les 9 ou les Z, je sais plus. Bon, bref, c'est pas grave. Il y en a des deux, donc on va faire les 9. Puisque j'ai pris les diamants qui correspondent à ça. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Je perds la tête. Tout à l'heure, bon, j'étais sur mon ordi et tout. Mon mari bossait de l'après-midi, donc il va rentrer à 22h là. Et du coup, ce matin, il a regardé une série sur Netflix. Donc déjà, on a regardé Lupin, la meilleure série de tous les temps. Hein. Non, c'est la deuxième série la plus regardée au monde. Et c'est une série française, on peut être fier, franchement. Avec Omar Sy, je vous la conseille. En plus de ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. Donc je vous la conseille fortement pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et du coup, mon mari, il a regardé une série et tout. Et je lui dis, mais tu regardes quoi? Il me dit, ah, c'est une série, c'est pas mal, ça fait un peu penser à Harry Potter et tout. Je lui dis, oui, ça s'appelle comment? Winx Club. Et j'ai explosé de rire. Je lui dis, mais t'es au courant que c'est un dessin animé à la base? Ben n'importe quoi, c'est pas pour les enfants. Ah, mais j'ai pas dit que c'était pour les enfants, mais ça, à la base, c'est un dessin animé en fait. C'est une série tirée d'un dessin animé. Mais n'importe quoi, j'étais morte de rire. Si. T'es pas au courant, mais si. Donc ça m'a fait rigoler. Mais il a regardé la saison 1 au complet, hein, c'était pas mal. J'ai regardé du coup de loin avec lui, mais c'était cool. Du coup, c'est tout bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous reprends en FaceTime.
Ok, du coup je sais que la vidéo est encore un peu courte, elle fait 20 minutes. Adelena vient de me dire, mais maman t'oublie tout le temps de dire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir. Syl aura reconnu la fin de... En fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une autre chaîne YouTube qui n'a rien à voir avec le Diamond Painting, qui est Sims Eugénie. En fait, c'est un let's play sur les Sims 3. Je publie bien moins fréquemment que surtout ces derniers temps. Là, j'ai plus trop le temps de jouer aux Sims. Mais du coup, et à chaque fin d'épisode de mon let's play, je dis « Je vous donne rendez-vous très bientôt avec la famille Barbure ». N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de la famille Barbure. Et du coup, je pense que là, je vais faire la même chose, donc comme dit Adelena, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très très bon DP et prenez bien soin de vous. À demain, ciao ciao. Mouah.